Aujourd'hui, je viens vous présenter euh, l'atelier gestion des émotions que ma collègue Delphine Ramé et moi-même, Nathalie Brady, euh, vous avons, vous avons contact, concocté. Pardon. Euh, comment est-ce que vous vivez avec les émotions qui vous traversent le corps Savez-vous les accueillir, les identifier, surtout si c'est inconfortable pendant une conversation ou si vous êtes seul, ce qui est plus facile Comment communiquer authentiquement si vous ne savez pas ce que vous ressentez Déterminez le pourquoi de ces émotions qui sont des messages. Dans cet atelier, vous comprendrez le lien entre vos émotions et vos besoins non pourvus. Et vous pourrez ensuite travailler sur vos véritables besoins grâce à un autre atelier euh, qui permet de travailler l'estime de soi. Aime-toi pour créer ton propre bonheur. Savez-vous ce qu'est une émotion et pourquoi elle est activée dans votre corps. Vous apprendrez à reconnaître les sensations et les pensées générées par chaque émotion et ce qu'elles peuvent vous apporter afin de mieux vous connaître. Cet atelier dure 5 heures, réparti sur deux séances de 2h30. Donc sur cet atelier gestion des émotions avec Nathalie Bredi, nous avons vraiment souhaité le travailler sur les deux plans, à la fois le plan psychologique mais aussi le plan corporel parce que euh, dans sa première phase d'approche c'était vraiment comment vous accueillez vos émotions dans votre corps euh, souvent, on a tendance à se couper de notre corps parce qu'on ne veut pas souffrir, parce qu'on ne veut pas ressentir la souffrance. Et pourtant, le corps nous transmet énormément d'informations et nous permet d'identifier euh, ce qui nous traverse. Et en vous expliquant justement sur toute la première partie de chaque atelier, les émotions, qu'est-ce qui déclenche l'émotion, comment on peut repérer une émotion, euh, avoir des, des clés sur ce que vous pouvez ressentir dans votre corps. Euh, on a souhaité vous, vous faire vraiment vivre ces émotions par une méditation. Donc, chaque atelier sera suivi d'une méditation. Euh, le premier atelier est vraiment basé sur euh, l'échelle des ressentis, c'est-à-dire vous reconnecter avec ces ressentis que peut-être vous avez laissés de côté, et peut-être que vous êtes déjà euh, ou en pâte ou hyper euh, sensible et que vous ressentez déjà beaucoup de choses et beaucoup de choses qui ne sont pas à vous. Donc dans le deuxième atelier, on aura aussi une petite partie par rapport à ça, mais euh, c'est surtout les méditations qui vont vous, vous connecter à la fois aux sensations corporelles, à votre respiration. Avec des mots, à pouvoir mettre des mots sur des sensations, à pouvoir mettre des mots ou pas sur euh, cette émotion, sur qu'est-ce qu'il y a derrière cette émotion et sur peut-être comment ce serait si vous pouvez prendre du recul par rapport à cette émotion, comment vous pourriez gérer mieux la situation. Parce que souvent on se fait déborder par nos émotions et du coup on, on perd nos facultés de parler, on perd nos facultés de répondre, on perd nos facultés simplement d'interagir. Et d'être acteur de cette émotion. Donc, c'est tout ça qu'on va vous présenter dans ces ateliers. Et en tout cas, la méditation fait aussi partie de, de ça pour ressentir dans votre corps. J'espère que vous apprécierez. De bons ateliers à vous et à très bientôt. Nous vous en proposerons une session par mois. Les dates pour les trois prochains mois sont sur les infographies. Si vous souhaitez des renseignements supplémentaires, venez vers nous par mail. Vous les trouverez dans la description de la vidéo. Et pour vous inscrire, il suffit de nous écrire et nous vous enverrons le lien de paiement et nous noterons votre nom pour vous envoyer le lien Zoom le moment venu. Voilà, bah écoutez, il n'y a plus qu'à. <laughs> ne désespérez pas. Euh, travailler sur ces émotions apporte vraiment un grand confort au quotidien parce que vous savez très vite ce qui se passe, pourquoi vous réagissez comme ça, etc. C'est toujours en lien avec vos blessures de l'âme également, avec votre ego, etc. Donc tous les ateliers de toute manière que nous proposons amènent cette réflexion sur votre intériorité. Donc ben Inscrivez-vous, n'ayez pas peur, je mets également le lien euh, des ateliers euh, des autres ateliers que nous faisons donc sur le site métamorphose. Donc n'hésitez pas à aller voir si d'autres ateliers peuvent vous intéresser également. À bientôt.